Que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo de tous les mois, la vidéo traditionnelle, les coloriages terminés du mois de février. Voilà. <laughs> donc, combien de colos j'ai fait là, ce mois-ci? J'ai préparé mon petit cahier parce que euh, vous savez que maintenant, je tiens un petit cahier. Donc, je vais vous dire combien de colos j'ai fait ce mois-ci. Bon, j'ai déjà fait ma page de mars. Hein. Euh, j'en ai fait, j'en ai fait euh, 12, 13, j'ai fait 14 colos, quand même. J'en faisais beaucoup plus que ça avant, hein, mais euh, bon, mais je sais pas. J'ai diminué euh, le, le rythme des colos ou mes colos prennent un peu plus de temps. Donc, est-ce que je les place dans l'ordre que je les ai faites? Ça serait cool de pouvoir faire ça. On va faire ça. Fait que euh, je vais les pogner dans. Euh, <laughs> Bon, tout d'abord, je suis allée dans le Magical Down de Anna Carzon. Moi, ouais, je voulais faire dans l'œuvre que je les ai fait dans le mois. Ça va être fun. D'habitude, je les place par artiste, mais là, on va vraiment y aller que. Comment je les ai fait. Donc, j'avais fait un colo dans le Magical Down. J'avais commencé en live avec vous. Euh, c'était un colo pour la Saint-Valentin. Et comme j'avais pas eu le temps de faire le thème du mois de janvier, ben, j'ai combiné les deux parce que j'avais fait un thème nostalgie. On devait aller dans euh, cinq de nos premiers livres qu'on avait eus. Et comme le Magical Down était dans mes premiers livres que j'ai eus, ben euh, ça m'a donné l'occasion en plus de retourner de De longtemps, je pas été. Donc, j'ai fait Mon petit cœur ici. Et là, J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Ah, ça commence bien! Bon, euh, je vais essayer de me rappeler. Le fond, je crois que c'était des encres, si je me trompe pas. Oui, il me semble que c'était euh, les oncles euh, barmiers euh, que j'avais reçu en cadeau. Euh, sinon, il y a euh, pour les crayons. Ah oui, ça, euh, le, le cœur, c'est du Derwent Intense que j'ai aquarellé. Euh, ici, je crois que c'était des polychromos. Il me semble que j'avais fait au polychromos. Ouais, j'ai tout fait au polychromos, je crois. À part le cœur et l'intérieur ici, là, que c'est... Euh, c'est Derwent Intense. Il y a un peu d'aquarelle Rembrandt aussi dans le fond. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais euh, ça brille. J'ai pris euh, celle qui a du doré dedans. Il y a du stickle dans les ailes. Et ici, euh, tout ce que vous voyez là, euh, métallisé doré, c'est les petites aquarelles ici que ma copine Mimi m'avait offert. Je voulais tester le doré. Voyons ce que le bord, ça se, trouve, ça se trouve ici. Je voulais tester le doré et ça, ça vient de chez Timu. Il y en a plusieurs d'autres euh, petites aquariums comme ça sur sur tes Donc euh, j'avais envie de les tester et je les ai mis euh, dans ce fond là. Donc c'était mon petit colo Saint-Valentin, mais vous allez voir que je ne me suis pas arrêtée là, j'ai fait d'autres colos euh, en mode Saint-Valentin euh, ce mois-ci. Je me suis lancée, je me suis vraiment amusée ce mois-ci à colorier là. Euh, je suis quand même satisfaite de presque tout ce que j'ai fait, c'est rare que je vais vous dire ça, mais euh, je pense pas avoir de raté ce mois-ci. Oh! C'est un exploit! Bravo! <laughs> on verra, hein? On va continuer là, mais euh, bon, celui-là, en tout cas, je suis contente. Il est tout simple, hein, mais euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et euh, en mode Saint-Valentin comme ça, ben, je trouve que, que ça le fait. Donc voilà, on va pas passer 10 ans dessus. Ensuite, je suis allée euh, dans le livre d'Amandine Young. J'avais reçu mon petit chaperon rouge. Euh, je l'avais-tu reçu en janvier ou en février? donc je l'avais reçu en janvier. J'avais pas eu le temps d'y aller, donc je pense que je l'ai euh, que je l'ai commencé ce mois-ci. Ou je l'ai reçu peut-être aussi en février, en tout cas, je me rappelle plus. Mais bon, tout ça pour dire que je suis allée dans le petit chaperon rouge et j'ai fait la maman. Et j'ai pas encore écrit avec quoi je l'ai fait. J'espère que j'ai pas fait ça tout le monde parce que ça va être pénible. Ok, euh, elle, je l'avais-tu faite. Je crois que j'avais fait une partie dans un vlog avec vous, mais pas tout, tout, tout. Donc, je crois que c'est Luminance, Lightfast, Prismacolor pour les crayons. J'ai mis un peu d'aquarelle ici dans le haut pour faire des, des petits... Euh, bon, comme s'il y avait des petites plantes qui tombaient. J'ai dessiné la table parce qu'il n'y en avait pas. Et ça, je crois que je l'ai fait au Polychromos, la table. Ou au Derwent euh, Drawing, je pense. Euh, sinon, il y a beaucoup de stécules, hein, du stécules doré. J'ai mis un peu de Liquid Pearl là, ici là, dans son vêtement. J'en ai mis aussi sur les manches, mais... C'est pas un matériel que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'ai eu un petit regret à ce niveau-là. J'en avais mis là aussi. C'est comme si c'était passé qu'il y en ait là. J'en ai mis en bas aussi. Mais bon, c'est pas grave. C'est minime. J'aime bien mon colo. Euh, pour le chaudron, j'ai tout fait euh, aux angles distress. J'ai mieux travailler un peu au crayon, mais à peine. Le chaudron est presque tout fait euh, aux angles de stress. Le fond, euh, ben, j'ai dessiné des petites pierres. Par contre, j'ai mal choisi ma couleur parce que. Se euh, sont un peu euh, perdus dans, dans, dans la couleur, mais bon, sinon, ça je trouve que ça le fait quand même. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a du Postcap pour cacher les lignes, bien sûr. Il y a des euh, Tolliartes. J'ai aussi utilisé les Super Golden marker pour. Euh, Bon, le, 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 le la petite confiture, j'avais envie que ce soit un peu plus euh, brillant à ce niveau-là et j'ai adoré faire le petit euh, fantôme. <laughs> Donc euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il euh, y a un peu euh, aussi de Non non, j'avais fait tout les hâtes. c'est vrai, j'avais pas reçu encore euh, mes simtapes pour faire les petites fleurs. Donc voilà pour ce petit colo. En tout cas, mon livre est entamé, donc ça va être facile maintenant de retourner dedans parce que gros coup de cœur sur ce livre-là. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Disney 4 Saisons. Je suis allée faire un de nos deux fils rouges. J'ai pas eu le temps de faire les deux. Comme d'habitude, je prends du retard. Mais euh, en à haut, comme à chaque année, je vais faire un spécial Disney, donc je vais pouvoir reprendre tous mes retards. Euh, le fil rouge, je vous le mets dans le petit i pour les nouveaux dessins euh, à faire dans le Disney 4 saisons. Donc j'ai fait Belle, on devait faire aussi Cendrillon, mais comme je vous dis, je l'ai pas fait. Ça, c'était le bonus. Je verrai, là, euh, si j'arrive à en faire. Je dis tout le temps ça, mais à chaque mois, je, je, je réussis juste à en faire un. Mais comme je vous dis, je vais reprendre mon, euh, mon retard. Euh, pendant mon mois entièrement Disney. Donc j'ai fait belle ici, j'ai toujours pas écrit avec quoi je l'ai fait mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi ce mois-ci, je sais pas. Là j'ai Chuck qui euh, qui qui jappe, je sais pas pourquoi là. Bon, je me rappelle un peu. Je crois que c'est toute light face et luminance avec les couleurs là, je crois que c'est ça. Ensuite euh, en plus j'avais fait ce colo là euh, en live. J'avais commencé en live parce qu'on avait fait la petite haie ici tout le tour. Donc, j'avais utilisé de l'aquarelle White Night, de l'aquarelle Arteza. J'avais mélangé les deux ensemble. Euh, le fond, c'est de l'angle du stress. Hein, un fond tout simple. J'avais pas trop envie de me casser la tête avec ça. Il, y a, des, il y a été très, très, très long à faire. Euh, J'ai fait mon petit effet gazon en bas. Euh. À part ça, euh, il y a du liard pour cacher les lignes. J'ai mis beaucoup de posca blanc aussi pour rajouter comme des petites, petites fleurs dedans. Et il y a du sécule jaune aussi sur les petits papillons. Je savais vraiment pas de quelle couleur mettre les, les petits euh, papillons. Je ne les aimais pas trop. J'ai mis du sécule dedans et ça fait le travail. <laughs> Donc, euh, vraiment, je suis contente de ma mise en couleur. C'est une de mes préférées euh, ce mois-ci de... de... De ce que j'ai pu faire. Je dirais pas que c'est dans celle-là que je me suis le plus amusée parce que je l'ai trouvé très, très longue à faire, mais euh, au moins je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà pour belle. Ensuite, j'ai fait quoi? Je suis allée dans le mandalène de mariatrol. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait un mais Je me suis comme une folle euh, à faire ça. Euh, donc, j'ai fait mon petit arbre ici. Ah là, j'ai écrit avec quoi je l'ai fait? Bon, enfin. Donc pour les crayons, face et Colline, j'ai utilisé que ça pour faire tout le colo. Ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night euh, pour faire l'arbre parce que au début il y avait que les feuillages et les fleurs. J'ai grossi l'arbre avec de l'aquarelle. Euh, j'ai utilisé aussi euh, les tous les art brush pour rajouter des petites fleurs mauves, j'en ai aussi euh, mis dans le bas de la feuille, donc euh, j'ai rajouté une aile, j'ai rajouté des petites fleurs, j'ai aussi utilisé de l'aquarelle Rembrandt que j'ai tapoté là, vous le voyez sûrement, ça fait comme toutes des petites lumières bleues là, J'sais pas, je sais pas, j'avais envie de faire ça et je trouve ça joli, euh, sinon il y a du drawing aussi pour l'arbre. Euh, et le fond ici, c'est de l'angle distress par contre que j'ai aquarellé et j'ai fait retomber des petites gouttes dedans. Là, je vais me lever pour vous montrer ce que ça donne d'un peu, peu plus près, parce que c'est vraiment joli ce que ça a donné dans le fond. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez ce que ça a donné. J'aime bien les petits effets que l'angle distress a donné donc euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit pour celui-là. Il n'y a pas de ticule. Je trouvais que juste le Rembrandt euh, comme ça là, euh, dans l'arbre, ça faisait joli. Et euh, ben, peut-être que j'aurais envie de retourner ce mois-ci dedans mon mandaleine J'aimerais ça de l'avancer un petit peu. Euh, C'est pas des colos longs à faire. Puis on, on peut faire vraiment des belles choses comme ça dedans. Et là, j'étais dégoûtée parce que j'ai taché la page à côté. C'est une de mes pages préférées. Donc peut-être que je ferai la page d'à côté comme ça. Euh. Ça va moins me fatiguer. Et le tour ici, ben, c'est euh, de la peinture acrylique. Voilà. Parce que je voulais un effet mât, un peu euh, effet velours. Hein? Je trouve que ça fait un peu effet velours, la peinture acrylique, quand on la place comme ça. Donc, euh, voilà. Pour lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée dans le fairy tale de Emily Lidehalroberg. C'était notre fil rouge du mois de février et j'ai fait notre petit capitaine de bateau qui lui aussi a été très long à faire. Cette grosse souris, j'en pouvais plus, je voyais plus le bout. <laughs> Mais je suis contente de ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce colo-là? Euh, Lightface. Pour presque tout le colo. Un peu de polychromos, c'est vrai. J'ai fait les roses ici au polychromos. J'ai voulu tester euh, le combo de ma copine Ice. Et euh, ensuite. Euh, que, pourquoi j'ai écrit pastel à l'huile? Qu'est-ce que j'ai fait au pastel à l'huile dans ce colo-là? Je pense pas que le fond, ce soit du pastel à l'huile. J'ai l'impression que le fond, c'est du pan pastel. Je pense que je me suis trompée. Parce qu'il me semble que le fond, c'est du pain de pastel. Il me semble pas que j'ai utilisé des pastels à l'huile dans ça. Bon, c'est pas très grave, là, mais c'est soit pastel à l'huile ou... Euh... <laughs> Ou pan pastel pour le fond. Il euh, y a un peu de stickle aussi euh, sur le bateau. Il y en a euh, sur le chapeau de la souris. J'ai utilisé les simtaps ici pour faire une petite brume. Je suis pas super contente de ce que ça a donné, mais bon, c'est pas très grave. C'est un petit détail tout minime. Il euh, y a du super golden marker ici, là, pour euh, tout ce que vous voyez qui qui reflète un petit peu. J'ai aussi contourné le, euh, certains trucs du bateau avec les super golden Marker. Et j'ai rajouté des petites bulles aussi dans la bouteille ici. En tout cas, il a été long, les amis, à faire ce couloir là euh, Donc là, on n'ira pas dans lui pour le mois de... De mars. On va y retourner en avril parce que j'alterne entre deux fils rouges, euh, celui-là et le Wildflower Folk de Christine Caron. Mais de toute façon, comme je vous dis, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez avoir les, nouvelles, les nouveaux fils rouges pour le mois de mars. Donc voilà pour lui le petit fairy tale. Ensuite, je suis allée dans le Season de Anna Karzan et j'ai fait euh, un petit colo tout simple. Mais j'avais une idée de combo <laughs> et tout ça avec mes liquid pearls j'ai regardé mes liquid pearls là, qui traînaient sur mon bureau et je vais vous les montrer là, ceux qui m'ont inspiré de faire ce colo il était collé ces trois-là ensemble. Je trouvais que ça faisait beau le combo. Fait que je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans un colo. <laughs> fait que j'ai cherché et j'ai trouvé celui-là. Et vraiment, je l'adore. C'est pas le colo qui m'a pris le plus de temps à faire, hein, mais je suis trop contente de cette mise en couleur-là. J'adore la combinaison. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire? Je l'ai écrit. On va peut-être... Regardez sur le petit papier. Donc, j'ai utilisé les Marco Tribute et les Faber Castell Black Edition pour les crayons. Le fond, c'est de l'aquarelle. Quelle aquarelle? Je crois que c'est la White Knight. Euh, ensuite, il y a beaucoup de Super Golden Marker parce que j'ai tout contourné les feuillages euh, gris, là, euh, gris de peintre. J'ai un gris de peintre. Dans les Marco tribut on a un super de beau gris que j'adore. D'ailleurs, il commence à être petit, mon crayon. Donc, euh, j'ai tout contourné ça avec le Super Golden Marker. Et il y a beaucoup de Tully Art parce que je n'ai juste les recevoir quand je faisais ce colo là et euh, ben j'ai rajouté tout plein de petites fleurs comme ça là Vous voyez l'effet que ça donne on peut pas faire ça avec les euh, tous les arts normal donc c'est pour ça que je voulais des brushes et j'ai pu rajouter aussi quelques petits euh, Quelques petites lignes comme ça de blanc, là. Je trouve que ça fait super joli dans les colos avec des fleurs. Et j'ai aussi utilisé un stickle que j'utilise pas souvent. Et c'est celui-ci. C'est le pink taffeta. Je trouvais qu'il allait très bien avec la mise en couleur. Donc vraiment, je suis super contente de cette petite mise en couleur qui m'a pris une seule soirée et c'était fini. <laughs> Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Grain of Gold de Carzon. J'ai fait beaucoup dans Carzon ce mois-ci. Et j'ai fait une double page. C'était pas censé être une double page et regardez-moi ça le dégoût que ça m'a donné. Mais bon, comme c'est la page de nom, je m'en fous un peu. Mais euh, j'ai décidé de faire la double page. J'avais commencé ça avec vous dans un spécial fond euh, en live, parce que vous savez qu'une semaine sur deux, je fais un spécial fond. Là, je vais me lever parce que je veux vraiment que vous le voyez bien. C'est mon colo dont je suis le plus fier. Ce mois-ci, c'est mon colo préféré. Euh, vous savez qu'à la fin de la vidéo, je fais toujours mon top 3 de mes colos que, que je suis le plus fier euh, dans le mois. Donc, lui, c'est sûr, je vais le mettre en numéro 1. <laughs> Donc, j'avais fait un fond avec vous et qu'est-ce que j'ai galéré parce que j'avais fait le fond avec les euh, Liquid Pearls. Bon, je n'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait, mais j'ai tellement travaillé dessus que je m'en rappelle. J'avais fait un fond avec des Liquid Pearls pour ce côté-là. Et la galère, les amis, ça fonctionne, mais oh my God, que c'est pas facile. Et là, j'aimais pas ça, fait qu'après ça, je suis venue retravailler par-dessus avec des pastels à l'huile et ça fait un effet comme ça, là, je vous montre de plus près. Un effet un peu vieux mur de briques, vieux manoir, je sais pas trop, mais vraiment, j'adore ce que ça donne, donné. Et j'ai pris un pochoir de briques, finalement, ça, vous l'avez pas vu dans le live, mais j'ai rajouté... Un pochoir de briques, euh, je suis venue le faire au crayon. Je ne voulais pas avoir quelque chose de, de poudreux. Parce qu'au début, j'avais essayé dans le live de prendre un pochoir et de mettre quelque chose de poudreux. Et j'aimais pas ça, ce que ça faisait, parce que ça s'étendait tout. Fait que je l'ai fait au crayon. J'ai pris mes prismacolores, j'ai pris mon pochoir et je suis venue rajouter des petites briques dans le fond. Et après ça, j'ai fait comme si c'était un mur d'amoureux. Vous savez, un peu dans. Dans les anciens restaurants, j'avais vu un film à un moment donné. Euh, parce que oui, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des films romantiques. <laughs> j'avais vu un film, ça s'appelait euh, Un paradis sur terre. C'était avec euh, Josh Arnett. En tout cas, si vous avez déjà vu ce film-là, écrivez-le-moi en barre euh, d'infos. Mais. Euh, pas en barre d'infos, écrivez-le-moi dans les commentaires. Hein? Quand même. Euh, et dans ce, ce film-là. Il y a un la fille dans le fond travaille dans un restaurant et il y a un mur de l'amour il l'appelle comme ça et tous les amoureux écrivent leur nom euh, dans le fond comme moi mettons, ça serait euh, mon mari s'appelle Maxime moi je m'appelle Isabelle donc on écrirait euh, Maxime plus Isabelle je ne sais pas pourquoi vous l'explique je suis sûr que vous savez ce que c'est mais c'est ce que j'ai voulu reproduire et c'est le film qui m'a euh, fait euh, rappeler ça je trouvais que ça ressemblait un peu euh, à ça et euh, ben comme je me suis beaucoup amusée dans lui, euh, je me même pas dit avec quoi j'ai fait le colo, je l'ai fait avec les luminances et les lightface, on n'est pas surpris comme d'habitude, je prends presque toujours ces crayons-là et ici c'est du pan pastel. Je voulais faire un effet un peu brumeux, bon, c'est pas euh, une totale réussite mais j'aime bien. Et j'ai euh, contourné le petit cadre aussi avec euh, un artistro métallisé. Pour l'autre côté parce que là je me suis dit bon, je peux pas euh, pas faire la page à côté. Euh, j'ai pas pris euh, cette fois-ci le euh, liquid pearl, mais j'ai essayé de reproduire un peu euh, dans le même style. Par contre, elle, c'est de l'angle distress que j'ai aquarellé et que je suis venue retravailler après, encore une fois, avec les angles. Il y a aussi du pan pastel, elle aussi, pour le cercle. Euh, elle a du sticule, euh, Black Diamond sur son petit rouge à lèvres, c'est trop beau. Et même principe, j'ai pris encore une fois un petit pochoir de briques avec mon Prismacolor blanc parce que je voulais vraiment faire l'opposé de l'autre côté. Donc, elle, sa brique, elle est blanche et lui, elle est noire. Et euh, j'ai encore fait euh, ben, des fausses écritures. Puis fait comme s'il y avait plein de gens qui avaient signé euh, le mur pour faire, euh, ben, comme quoi, ben, il y a plein d'amoureux qui sont venus euh, <laughs> écrire là. Hey my god, il y avait toute une histoire, mon colo, hein, mais vraiment là. Coup de cœur. Je l'adore. Je suis super contente de, de ce que ça a donné. Mon. mon je suis fière. C'est rare, là, mais là, je suis fière. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais lui, euh, mon colo préféré du mois. Ensuite, après ça, je suis allée faire, ben, mon petit vampire de Nadia. J'avais fait un live avec Nadia et Simone. Et on faisait ça pour. Euh, L'anniversaire de chaîne de Nadia, qui est ma copine canadienne. je voudrais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ça, elle fêtait ses deux ans, donc elle nous avait offert cette illustration-là. D'ailleurs, vous pouvez vous la procurer, hein, Elle offre l'illustration. Donc, on a mis ce petit chibi en couleur et vraiment, j'ai adoré le faire. Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait, mais je sais pas ce que j'ai fait. C'est moi-ci, j'ai boycotté les, les écritures. Bon. Le fond, je crois que c'était de l'aquarelle. Il me semble bien que c'était de l'aquarelle. Oui, ça doit être de l'aquarelle. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, mais je suis venue le travailler quand même avec de l'angle distress. J'ai utilisé euh, du pastel à l'huile sonalier blanc pour faire la brume. Les crayons, c'est des luminances et prismacolor, je pense. Il doit y avoir un peu de light face aussi. J'ai mis euh, du stickle sur ces petits gants. Encore une fois, le black diamond. J'en ai mis aussi... Sur le 2 ans, euh, les petites chauves-souris. Euh, ça, c'est fait avec le sport Golden Marker. J'ai tout rempli avec ça. Et sinon, il euh, y a un peu de tous les arts mais pas partout. Je ne sais pas pourquoi les colos de Nadia, j'aime pas trop euh, tout J'aime pas con trop contourner. J'aime bien les laisser telles quelles puisqu'elle fait des lignes fines, fines, fines. Euh, ça vaut quand même bien. Donc euh, voilà, ça c'était mon petit euh, vampire chibi. Je suis vraiment contente de ma petite mise en couleur. Je crois que je vais l'afficher euh, dans mon bureau ou je vais le mettre peut-être dans un porte-vue. Donc euh, voilà pour lui. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée dans le Atlantis. Oh my god. Ce couloir là aussi, il a été long, je vous jure, les amis, j'en pouvais plus. J'ai fait le pot qui est dans l'eau. Ce fameux pot! Il était long, il a été long. Ah, j'ai eu peur là, de ne pas avoir écrit avec quoi je l'avais faite. <laughs> Donc, j'avais fait cette première page-là en premier. Je n'étais pas censée faire la page à côté, mais ma copine Simone, elle m'a dit, Ben là, Zazou, faut que tu fasses la page à côté. <laughs> j'ai dit, OK, je vais la faire. Donc, euh, voilà, j'ai fait, la, encore une fois, une autre double page dans, euh, à la carzone. C'est pas vraiment une double page, mais je les ai tra traitées un peu euh, dans comme ça. Donc, pour le fond, c'est de l'aquarelle Daniel Smith que j'avais acheté en tube. Euh, des deux côtés. Par contre, ici, elle était dans le tube. Donc, j'ai pris du tube. Et ici, elle était en godet. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre les deux quand on la prend en tube. Elle est beaucoup plus intense qu'en godet. Mais euh, j'aime mieux ce côté-là. Donc, euh, bien fait de l'avoir mis en godet. Euh, donc, pour les crayons, luminance light like face pour euh, les, deux, les deux côtés. Il euh, y a un peu aussi de collines. J'ai beaucoup utilisé mes collines ce mois-ci. Il euh, y a du stécul, hein, du stécul un peu partout. J'en ai mis dans les fleurs, euh, dans les pots. Il euh, y a du Derwent Intense pour le pot ici. J'ai tout fait à, au Derwent Intense. Il y a beaucoup de Touliart et de Posca. Et du Super Golden Marker. J'en ai utilisé dans mes petites, euh, mes petits sous. Je l'avais commencé en live en plus, celui-là. Et euh, j'ai aussi contourné les fleurs ici avec le Super Golden Marker aussi. Et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, il brille de mille feux, celui-là. <laughs> je me suis lâchée sur le métallique puis les paillettes. Hein. Mais ils ont été longs. Ben lui, il n'a pas été long. Mais lui, là, pff, il était long. Et quand je regarde mes deux pages, c'est curieux hein. Mais euh, cette page là, c'était ma préférée dans le livre, mais je préfère ma mise en couleur là. Peut-être parce qu'elle est plus épurée. Il y a beaucoup beaucoup de, de job là-dedans. Je vous dis là, c'est beaucoup beaucoup. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une petite bulle. On va la faire ensemble parce que sinon, je la colorierai jamais. <laughs> Pause câblant. Bonus, on fait des bulles. C'est pas très compliqué hein. Je veux juste les retraser. Tadam Voilà, c'est fini. Et voilà, j'ai complété pour vrai mon dessin. <laughs> bon, je me suis quand même amusée, hein, mais euh, pff, il était long, il était long. Donc voilà pour le Atlantis. Ensuite, dans le mois, j'ai reçu un cadeau de mon ami Aléa. Et je l'adore. C'est mon précieux. <laughs> vous savez, j'en ai tellement parlé. Je vous ai cassé les oreilles avec ça. Mais il est enfin chez moi. Mon petite poupée de Disney. Je l'adore tellement. J'ai fait deux colos dedans, tellement que j'étais excitée de l'avoir. Donc j'ai commencé par le ta ta! ta. Blanche-neige ici. Bon, je savais pas trop quoi faire avec ça, là. Il y avait comme un cœur, là. Puis, je savais pas trop quoi faire avec. Et après, j'ai vu la mise en couleur de les couleurs d'Alex et j'ai fait comme, ah, le sien, est pas mal plus beau que le mien. Mais bon, c'est pas grave. <laughs> C'était mon premier dans le livre et j'ai oublié de le fixer, fait que c'est tout imprimé là-bas. Faut que j'aille le fixer. Euh, bon, ben tout ça pour dire que j'ai utilisé de l'aquarelle White Night et de l'aquarelle Arteza encore parce que ma fille m'a dit ben maman fait un arche. J'ai dit ah oh, bonne idée. Ben, j'ai fait ça avec mes aquarelles. Après ça j'ai pris encore une fois les ARTX, Simtap, et les euh, toolyards brush et j'ai rajouté des petites fleurs. Euh, pour le colo, j'ai utilisé des luminances. C'est que des luminances pour tout le colo. J'ai utilisé aussi des art euh, pour cacher les lignes. J'ai mis du sticule doré sur la robe de euh, Blanche-Neige. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles. Et euh, ben, il y avait des cœurs. là. Les cœurs étaient déjà là. Et j'avais pas envie de les mettre en couleur parce que je trouvais que ça, ça aurait fait... Je sais pas, ça aurait brisé un peu mon ambiance avec euh, mon arche. Donc, je les ai juste retracés en blanc pour faire comme si c'était, euh, je sais pas, des, de la magie tout autour d'elle. Et j'ai rajouté des petites swells, là avec euh, mes tape, mais je suis pas sûre que j'aime ça. J'aurais dû laisser juste les cœurs. Je trouve que c'est trop. Puis j'ai pas colorié toute tout, tout la page. Et là, j'hésite. Est-ce que je devrais faire toute la page, mettre du vert ici? Je crois que ça l'envelopperait un peu plus le colo. Je vais peut-être leur travailler à aller chercher comme un verre, là, dans l'arche ici pour faire les côtés pour les ramener, là. Je pense que ça serait mieux que de laisser blanc. Donc voilà, ça c'était le premier que j'avais fait. Et ensuite, tout de suite après, je suis restée dans ce livre-là et j'ai fait la petite Pocahontas. Et là, je me suis amusée. Oh, que je me suis amusée dans celle-là. Euh, j'ai utilisé des angles de stress dans le fond partout. J'ai fait tomber plein, plein, plein de petites gouttelettes d'eau. Je suis venue les éponger. Ça m'a fait cet effet-là, un peu de magie. Et euh, en suivant les couleurs que j'avais mis dans le Distress, c'est là que j'ai fait mes petits feuillages que j'ai tout contourné avec les Super Golden Markers. Euh, j'ai aussi utilisé une base dans le Distress pour l'eau pour pouvoir faire la transparence de la barque dans l'eau et euh, pour les crayons c'était des Holbein. Oui c'est vrai j'ai utilisé mes Holbein dans ce colo là et quoi d'autre? Des Simtap. Pourquoi j'ai pris des Simtap? Ah oui, parce que les vents, je les avais tressés au Simtap avant euh, pour avoir comme une lueur. Et après, j'ai euh, repassé le posca par-dessus. Donc, ça m'a donné ça. Et euh, ben, je suis bien, bien contente de cette petite mise en couleur-là. Je la trouve jolie, je la trouve magique. Et là, ce mois-ci, j'en ai un autre à faire dedans et je vais probablement en faire plus qu'un. Je vous le dis, je capote sur ce livre. J'ai envie de toutes les colories. J'ai un duo avec mon amie Pamela ici. On va faire Ursula. Donc, ça va être probablement, probablement mon premier colo du mois. Et euh, vous allez en voir plein, plein d'autres. Je l'entends, la petite poupée. Je vous le dis, je l'aime tellement ce livre-là que j'ai envie de, de faire prendre un, un de surplus. J'aimerais l'avoir en double, je pense. Et ma fille, elle avait trouvé un petit collant, vous voyez? C'est écrit « coup de cœur ». Et euh, je l'ai collé dessus, parce que c'est mon coup de cœur de l'année, ce livre-là. Vraiment, j'adore. OK, donc voilà. On va en revenir avec mon petite poupée. Ensuite, euh, bon, « Atlantis », je l'avais écrit parce que j'étais retournée dedans pour les fleurs. Je vous les ai montrées. C'était la, la double page. Ensuite, je ne savais pas trop quoi leur Trois... Je recommence. Je ne savais pas trop quoi colorier et j'ai eu envie de faire un petit Kevin to Wack. Donc j'ai sorti mon Funny tale. Je me suis rappelé de ce livre-là. Il est tellement beau. Et j'ai presque pas colorié dedans. J'avais fait juste une maison en couleur. Et j'ai eu envie d'aller là-dedans. Donc j'ai fait Blanche-Neige. Et J'ai pas écrit avec quoi je l'ai encore. Ah, je vais mériter une claque. <laughs> bon. J'ai de me rappeler. La peau, ça devait être des luminances. Parce que je fais presque tout le temps la peau aux Le fond, je crois que c'était du pan pastel. J'ai mélangé plusieurs couleurs dans le fond. Il euh, y a des allbands, par contre, pour les petites fleurs. Oui, j'ai fait les fleurs au hall J'ai encore une fois pris mes cimtaps. J'ai rajouté des petits euh pas des petits feuillages, des petites fleurs blanches. Euh, il y a beaucoup de sickles, hein, comme vous avez pu voir. Il y a du Super Golden Marker, encore une fois, pour tracer les lignes. Je me suis amusée à mettre plusieurs couleurs dans les manches et le collet euh, de Blanche-Neige. J'ai voulu faire une Blanche-Neige aux yeux bleus. Je sais que normalement, elle devrait avoir les yeux bruns mais moi j'avais envie qu'elle ait les yeux bleus je les ai faits comme ça et je suis particulièrement fière de mes petits oiseaux parce que habituellement je suis pas bonne pour faire les oiseaux dans les livres <laughs> donc je me suis forcée. parce que là j'étais contente de qu'est-ce que j'avais fait fait que je me suis dit bon là force-toi pour les petits oiseaux mets plein de couleurs ça va faire la job et ça a fonctionné donc voilà je suis vraiment contente de, de mon petit blanche-neige donc voilà pour lui Ensuite, ben, dernier colo du mois, ça a été dans euh, le Anna Axan Stuga. J'avais commencé, euh, ben, j'avais fait le fond avec vous dans le dernier live de mercredi passé et vous m'avez dit, Zazo, faut que tu complètes ce colo-là. Donc, je l'ai complété. Le fond a été fait à la gouache, tu sais, les, les gouaches IMI, là. Donc j'ai fait ça. J'ai rajouté par contre de langue distress dans mon fond parce que je voulais ajouter des couleurs pour faire comme s'il y avait tout plein de lueurs autour de cette sorcière-là, euh, comme si ses potions euh, tournaient autour d'elle. Je ne sais pas trop. Dans, je suis partie dans un délire. Euh, donc j'ai mis du vert, du rose, un peu d'orange je me suis amusée comme une folle. Et il y a pas été long à faire. Euh, en, donc pour les crayons, ça devait être. Ah, c'est les Holbein. J'ai utilisé les Holbein et les Collines. Donc, tout le colo est fait au Holbein et au Collines. Ensuite, Super Golden Marker pour euh, certains éléments. Là, je me rappelle plus où c'est que je les ai mis. Ah, ici, le vert. Le vert, là. Le vert de la, du feuillage. J'ai utilisé les Simtab pour faire ça, là. Les mais c'est pas une réussite, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi fait ça autour de ça. Je suis pas sûre si j'aime ça. Ça non plus, pas grave. <laughs> Et euh, j'ai mis des stickles euh, assez fluorescents. Je l'aime beaucoup pour faire ce genre d'effet-là. C'est le Crushed Pineapple. Vraiment bien. Et je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il brille de fou, hein, ce stickle-là. -là, J'espère que vous le voyez bien. Euh, quoi qu'il quoi qu y a d'autre là-dedans? Là. Ah, j'avais utilisé les colorets de pencil aussi dedans. Euh, les dupes de polychromos, là. Donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée et je suis contente de la mise en couleur. Je l'ai collé là, fait que ça fait une très très grosse page, mais bon, c'est pas grave. Je, je le trouvais beau, donc je me suis dit je vais le coller dans mon livre parce que lui il vient d'un livre de thèse. Hein. On avait fait le spécial fond dans un livre de thèse, donc je l'ai collé dans le livre. Donc voilà, là on va passer aux petites victoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé de ça. Euh, dans un vlog que je voulais faire des petites victoires. Euh, Quelques-unes dans un mois et qu'on allait écrire ensemble. Donc ça, ça va être nouveau dans les coloriages terminés. On va toujours venir écrire dans mon petit onglet ensemble combien de petites victoires j'ai faites dans mon petit livre de Joanna Basford. Je pensais en faire plus que ça. J'en ai fait trois ce mois-ci. C'est quand même pas pire. Donc je vais vous les montrer. J'ai fait le petit burger ici. Et là, c'est certain, hein? Je vais y retourner ce mois-ci. Et je crois que je vais vous en filmer au moins une par mois, une petite victoire qu'on fait ensemble. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Euh, tu sais, c'est pas très long là, à faire. Et comme je fais presque plus de color with me sur la chaîne, ben, je me dis une petite victoire par mois, peut-être deux, ça pourrait être le fun. Euh, je pourrais pas vous les dire d'avance, hein, Par contre, on va se promener dans le livre, je vais choisir comme ça parce que je veux pas me casser la tête dans ce livre-là. C'est vraiment un livre de détente. Donc, j'ai fait le petit burger, donc ça fait une victoire. J'ai fait le petit cupcake, donc deuxième petite victoire. <laughs> Et, Troisième petite victoire, j'ai fait la petite orange ici et c'est celle-là que j'ai euh, le plus aimé colorier. Donc là, je, je vous ai pas dit avec quoi je l'ai fait, hein, mais je prends n'importe quel crayon, là, des crayons que des fois je prends pas souvent, là, pour justement m'amuser. C'est comme si je redécouvrais les crayons en même temps. Euh, donc, vraiment, c'est un petit livre, là, sans prise de tête. Le papier est super doux. Je sais pas c'est quoi. C'est un petit pingouin qu'il y a dessus, mais c'est une pure merveille, ce livre-là. Vraiment, je l'adore, mon petit livre. Et je crois vraiment que je vais vous faire ça avec vous, là. On va se faire deux, une à deux petites victoires par mois ensemble, là. Ça va être comme des petits colas with me, sans prise de tête, J'attends vos commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Et là, je pense le recouvrir, mon livre, parce que il est en train de m'écrire. Trois petites victoires pour Zazou en février. Bravo, Zazou! Bravo, bravissimo. Bravo. Ouais! Là, on va faire un petit bonhomme. Les petits yeux en haut. <laughs> bon, ben voilà, là je vous ai tout montré. Oh non, c'est vrai! J'ai fait un colo, mais que lui, euh, je vais le donner à ma fille, par contre. Je ne vais pas le coller dans un livre. Il vient de où, lui, donc? C'était un spécial fond que j'avais fait, je pense. Puis euh, vous m'aviez demandé de le terminer. Bon, je ne vais pas le coller dans mon livre parce que j'ai une autre idée et ma fille, elle m'a dit qu'elle voulait. Donc, j'ai fait ça. J'avais envie de tester ça. Là. Vous voyez que je ne l'ai pas fini. Il faut que je finisse là, la, la petite cordelette. Là. Mais euh, c'était un fond qu'on avait fait ensemble. Là. Je me rappelle pas avec quoi. Ouais ça devait être avec les Distress Watercolor Pencil. J'ai mis de l'aquarelle Rembrandt dans le fond aussi. Là, celle qui a du bleu. Et je voulais faire comme si c'était qu'une illusion. Euh, mettons, dans le ciel, qu'il y avait une illusion de l'icône. Donc, j'ai... Ça a vraiment pas été long. Hein. J'ai fait le fond, me suis amusée. Et après ça, j'ai pris plus ma couleur blanc. J'ai passé partout pour donner un effet euh, de, de translucide. Et après, ben, j'ai tout, tout, tout retracé en blanc. C'est ça qui a été le plus long. Et ma fille, elle l'adore. Donc, je vais lui donner. On va le mettre dans un petit cadre. On va le mettre dans sa chambre. faut juste que je complète ça ici. Donc là, c'est vrai, c'est fini. Je vous ai tout montré. <laughs> je vais vous montrer mes coups de cœur. du moi les colons dont je suis le plus fière. Donc, on commence, hein, vous le savez, je vous l'ai dit au début, j'ai spoilé. Ça va être, être celui-là. Ensuite, je vais dire mon colo que j'ai fait pour Nadia et mon Funny tell, bien sûr, parce que je suis super fière de ma Blanche-Neige. Donc, voilà, on va mettre ça comme ça pour la fin de la vidéo. Je suis sûre que ça ne rentre pas tout dans le cadre. Mais c'est pas grave. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire pour mon choix de mes colos les plus réussis, je pense, dans le mois. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez préféré dans tout ce que je vous ai montré. Ça m'amuse vraiment beaucoup. Euh, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à par défaut. Moi, je vous fais. Mouah! Plein de bisous, je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!